tout premier examen de permis de conduire ici à l'ANES de l'ANAT, Agence nationale de transport terrestre de Ouidah. Les candidats concentrés planchent dans un instant en présence du directeur général par intérim de l'ANAT. En venant à l'ANES de Ouidah, vous devez pouvoir trouver satisfaction. En 2021, en ce qui concerne la dématérialisation, nous avons dématérialisé plus de 20 services. Nous avons battu le record en ce qui concerne la dématérialisation des services. Et donc, que ce soit pour le permis, pour l'immatriculation ou pour des diverses autorisations en ce qui concerne le transport terrestre, nous avons travaillé à ce que vous puissiez introduire les demandes en ligne et que vous puissiez payer en ligne. Et pour certains services, vous puissiez les obtenir directement dans vos boîtes électroniques. Le top est donné et les candidats sont à l'épreuve. Après cette étape, les résultats sont systématiquement connus. Fraude zéro, transparence totale. Donc je voudrais féliciter vraiment ceux qui ont trouvé la couleur verte, qui supposent que ceux-là, ils ont passé la note requise pour aller à la conduite. Donc ceux qui n'ont pas eu cette note, je pense qu'ils ont besoin encore de réviser un peu les matières, les cours. Et le mois prochain, on reprend encore cette épreuve-là. C'est la grande satisfaction au niveau des autorités. J'ai constaté beaucoup de choses par rapport au logiciel. Avant, on se plaignait de la rapidité. De façon, les questions suivaient. Mais aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a un temps qui est accordé pour que nos apprenants puissent réfléchir un peu quand même avant de valider les questions. La prochaine étape reste la conduite.